Hey, salut à toi, je suis bien Mad et tu es bien dans un épisode de Minecraft, un survival modé dans lequel l'autre fois j'avais commencé à faire quoi déjà? Ah oui, faire un truc qu'il me fallait corriger. Ah oui, j'ai changé de skin, j'ai mis le mage de feu. Le mage de feu. J'espère que ça le fait bien. J'ai X là sur moi, là, je sais pas c'est quoi. Faudra que je vérifie c'est quoi ça. Donc alors, disais-je, j'avais commencé à faire. Je pensais qu'il me fallait le sapling d'infusion. Mais en réalité, non. Sapling Infuser serait le grid à un moment. D'ailleurs, j'ai. Oh, j'ai un problème de lag. J'ai certainement. Enfin, pas sûr, mais ça doit être ça. J'ai certainement. Ouais. En fait, je me suis trompé. Ça ne sert pas forcément. En réalité. Oui, j'ai déminé hein, de la Skystone dans une météorite et j'ai trouvé des inscribeurs. Je vais pouvoir faire des coffres de rangement améliorés, mais par la suite, j'ai crafté ça, l'Ender Pouch, qui se craft comme ça, et qui, une fois relié à ça, l'Ender Chest, amélioré là, et se craft comme ça, bien on a moyen de stocker des choses à l'intérieur de ça en ouvrant simplement ça. Alors ce qui est là va aller là. Yes. Je vous voyez, il est là-dedans. Mais je l'ai relié ici grâce à un grouper, à un oak chest. Donc tout ce que je vais prendre là-dedans, que je vais mettre là-dedans, va être aspiré par ce haut chest. C'est tant mieux, comme ça je pourrais me vider depuis le loin en fait, jusqu'à loin. Donc pour faire le sapling infuser, je devais augmenter le phytogenic isolator, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, je vous montre. J'ai pas beaucoup d'émeraudes. De toute façon, bon, attendez, je vais passer la nuit. J'en avais un là, mais malheureusement, je crois que je l'ai détruit, sans faire gaffe. Suis pas sûr, pas certain d'avoir détruit le monde, dans le monde. Ah oui, non, en fait, j'ai détruit l'arbre. Bêtement. Et la pousse, ça ne m'a pas rendu de pousse, en fait. J'ai fait un peu le coup. Je le connais. Mais allons voir, hein. Je vais vous montrer hein, comment ça fonctionne. On récupère là-bas, chez notre marchand. On va s'y prendre comme ça. On lui donne un émeraude. On va dans sa please, allemande. Et on a allemande. Ah bon. On plante ça, c'est mal aux yeux ça à terre, on plante ça quelque part. Je suis pas en train de le mettre à côté des autres arbres. Je l'avais mis ici. Continue. J'essaie de le faire pousser. Ouais, et vous voyez ça? Une fois que ça a poussé, on peut récolter des amandes comme ça. Ben, c'est pas la peine d'avoir le sapling infuseur du coup. Il suffit juste de les farmer ensuite. Clic droit permet de récupérer les amandes. Mais ne détruisez pas l'arbre parce que les pousses là, ils sont des jungles mieux. C'est des jungles, ça rend que des jungles. Ceux de la jungle, ça donne pas d'autres. J'ai failli ne pas me le faire. Hein, mais... Du coup, je me suis dit.
faut que je place le terrestriel. Je sais pas où on peut le placer. Ça se place comme ça au sol, autour de quartz et de lapis-lazuli. Alors pour ça, je l'ai cherché dans le livre. Je me dis, bon, regardons dans le livre de Botania, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, ah, basique, manipulation. Je vérifie quelque chose. Que ça enregistre, attendez. Oui, ça enregistre. Et je suis tombé sur Bubbles Accessories, Magical Item. Et je me suis dit, je vais regarder les Bubbles. Bobol, vous vous rappelez, c'est ce qui allait là en fait, les rings. Désolé, j'ai un peu la grippe. Bon, le pendant, il devrait normalement y être, mais je crois qu'il se convertit. Hein? The Tainted Blood Pendant. C'est vous permet à quelqu'un de store, d'enregistrer un bout dans un condensé portable état. Dans un état qui permet d'être porté, qui est condensé, qui permet qu'on le porte. Ce point fusé le pendant avec un bout, de normale procédure d'effusation sur un vial évacué. Bon, je pense qu'il faudra le faire passer sur un vial ou autre, mais il y a des pendentifs intéressants. Donc je serais tenté d'en faire, écoutez. Je vais en faire un, mais j'ai vu qu'il y a les plus simples. J'ai un peu la grippe là, ça fait un peu chier, excusez-moi. Bon, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Là, je ne sais pas c'est quoi encore. Bon, il faut des runes. Vous voyez, faut prendre un petit peu son temps. Là, je suis un petit peu en mode découverte. Hein. Faut prendre son temps pour faire les bons pas à pas, chaque étape. Ne vous inquiétez pas, j'essaie de garder quand même en tête chaque étape que je fais. J'ai vu même d'ailleurs une chaîne team enchantée grâce à de la mana. Donc on va essayer de se faire ça plus tard, bien sûr. Il faudra le faire. Je vais faire d'abord poser ça parce qu'il me faut absolument créer des choses plus tard. Donc on va pas faire énormément. Bon, je cherche terrestrial. Il n'y est pas. Il y a des avancements. Vous savez quoi? Il y a des avancements. C'est génial. Il y a des avancements par truc. Ah, mais c'est génial. On peut découvrir au fur et à mesure ce qu'on doit faire. Vous savez, c'est génial. Dans ça, il y a des avancements. Je sais plus c'est quoi les avancements sur où est-ce qu'on les trouve? Ah, c'est là. Dans les avancements, il y a un mode. Le jeu permet de soi-même quoi avoir des avancements. C'est génial. Mais voilà quoi, on pourra le faire après. Mais attendez. Le terrestrial, il n'y est pas. Hein, je sais pas pourquoi. Ah, ça va être dans Terrastyle, mais ça ne dit pas. Ah, voilà, enfin. Ok. Du lapis et du bloc de. Va le mettre au milieu des arbres là. Ça fera bien. Mettre ici. Donc dessus on doit balancer. Ça nous dit qu'on doit balancer. Mana Pearl, Mana Diamond.
Mais faut aller dans l'île, franchement. Il faut trouver un moyen d'y aller. Mais je dois battre le dragon à ce moment-là. Voilà, vous avez vu, j'ai déblayé un peu ici. Et là-bas, j'ai mis des fleurs. Bon, ça me permettrait d'aller faire des petites constructions par là-bas. Bon, je vais essayer d'attendre la nuit. Je vais récupérer l'enderperle et je vous reprends. Bon, certainement ça a repris le record. Je suis arrivé jusqu'ici, je me suis téléporté au village et je vais essayer de sillonner, arpenter en fait ce désert en quête d'Enderman quand le soleil va tomber là. Ah, mais c'est pas trop tôt. Je drop ça ou non? Merci pour être tombé là. Une petite Enderman là-bas. On va la guicher pour voir si elle vient. Nous aider. Ça y est, on a ce qu'il nous fallait. On voulait faire un bloc de terrastyle, donc je vais mettre ici une indication de notre biome Mesa. Hop, ma petite touche de raccourci. Waypoint. On en met comme ça. Hop. Sable rouge et mesa. On peut changer l'endroit où on met le waypoint en définitive. Je n'avais qu'à noter les coordonnées et m'y rendre après. Allez. Ah, ouf. Du coup, faisons passer cette nuit. La mana pearl. Je l'aurais oublié, j'aurais été vert. Ah, ça, je vous assure. Hein. Je vous l'assure. Il n'y a pas assez de mana dans ça. Et là-dedans, il y en a un peu. Voilà. On a les trois ingrédients qu'il nous faut. Donc, on va essayer de nous faire, de se faire en fait, une petite terrastyle. Hop. Hop, non. Ah, il faut peut-être une source d'énergie. On va déplacer tout ça, on va le mettre là-bas. Enlever ça parce que ça ne semble pas perdre de mana, ça. C'est étrange. Comment faire ça? Bon, je vais chercher et je reviens. Je suis de retour après avoir regardé sur Internet et mes doutes étaient fondés pour moi. Hein. Je me disais qu'il fallait le Spark. Le Spark que j'ai vu rapidement dans un tuto et je me disais aussi comment ça fonctionne. Donc ça. Master Spark, je sais pas. Contrôle. On peut les placer au-dessus de mana pool, au-dessus d'un bloc, bac de mana. Certains blocs ont la capacité de pomper la mana depuis le Spark. Donc, ok. Alors, Blaze Powder, White Mushroom, on vient des plumes oranges. Enfin, n'importe quelle fleur, quoi. Ingol Nugget. Hop, pardon, on va essayer ça. Ouais, faut pas tenir ça en main pour que ça le fasse. Donc, alors, on fait ça avec ça.
parti pour en refaire une autre, le Spark. Et là, il nous faut ensuite peut-être les lier, peut-être. Apparemment ça fonctionne, mais je ne sais pas combien de temps que ça doit durer. Oh là là les amis, ça m'a pompé tout ça. J'ai plus les fleurs là. Et ça, on le met par terre. Hein? What? Je pense qu'on va s'arrêter sur ce fail là. Je vais regarder encore les tutos pour savoir comment on fabrique. Où est-ce que ça a bien pu aller? Parce que peut-être que ça a glitché aussi. Mais bon, bon, allez, après tout. On va devoir je vais mettre ça dans mon coffre là, en passant par le vidéo pouch. Ça va aller dans le coffre qui est là-bas. Et sur ce, je vais vous laisser moi. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Une très bonne soirée. En espérant que la prochaine fois on pourra finir vraiment. De faire un terrastyle, ce sera un composant essentiel pour nos prochains avancements. En tout cas, on a déjà découvert un peu pas mal de choses en faisant ce truc. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée à tous. Allez, à très bientôt. Bye. C'était Pad.